Bonjour mes amours, comment ça va ce matin? Bon, comme vous pouvez voir, l'Atlantique est toujours là, les vagues sont toujours là. Voilà, ça remonte là, la marée remonte là, marée montante, voilà. Hier soir, il y avait un bruit des vagues, mais énorme, énorme la nuit, ça tapait contre les rochers là. On voit un peu mieux. Déjà, tout à l'heure, je suis sortie une première fois il y a, je sais pas, une heure à peu près, une heure et demie. Et la marée était beaucoup plus basse. Là, on voit un peu la plage. Et maintenant, il paraît que l'autre côté, là où on voit un peu les vers là où on voit le panneau d'affichage et tout ça. Il paraît qu'il y a des escaliers qui descendent vers la plage. Ben, on va aller voir ça. Ah, c'est beau quand même. J'étais bercée par le bruit des vagues. Super. Voilà, tout de suite. Alors, nous voilà arrivés de l'autre côté. Enfin, presque. On voit au loin, on voit Foxy, là, tout au fond, là. Le chemin d'accès, il est là. C'est un peu plus large, c'est un peu plus propre. Il y a une maison. Attention, je tourne doucement. Domino, il est là aussi. Oh, il lutte contre le vent. Et on va aller jusqu'au bout. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. On va peut-être changer de place parce qu'ils ont prévu de la pluie. Et la pluie et le vent, c'est peut-être un peu plus sûr ici parce qu'on est vraiment au bord du précipice là, l'autre côté. Si vraiment il nous arrive quoi que ce soit, on sera tout de suite dans l'eau. Allez, on va aller un peu plus loin pour voir ça. Un petit chemin, mais c'est quand même bien aménagé là et je pense que le petit chemin il va jusqu'au bout là où il y a le panneau. De l'autre côté on peut voir Foxy et la maison. Il y a une grande terrasse, j'ai l'impression que c'est un resto. L'autre maison là qui est juste au contrebas de Foxy, je sais pas. En tout cas il n'y a pas grand monde là. Oula, on va continuer. Magnifique plage, mais je crois pas que c'est une plage pour se baigner ou pour nager. Même si tout à l'heure on a vu une jeune femme qui se baignait dans la mer à poil, mais franchement courageuse la nana. Hein? Wow. Et en face, la petite plateforme, petit chemin installé en bois. C'est génial ça. Ils sont bien ces Portugais. Alors la plage ici, elle s'appelle Vale dos Homens. Voilà. Et il y a des explications sur tout ce qui se passe ici, sur tout ce qu'on peut voir ici, sur toute l'année, janvier, février et ainsi de suite. Voilà. Les pêcheurs, les observations, la faune. Ben c'est la plage, hein. Septembre, on peut venir observer les oiseaux. Voilà. Octobre, on peut faire ça. Novembre, eh ben, ils proposent des balades avec un âne. Aha. Et en décembre, c'est le festival de la patate douce. Tiens, on est trop tôt là. Alors nous sommes. Voilà, ici, Algésur, c'est la ville la plus proche, et Sagres, ici, Carapateira. Alors, excusez-moi, désolé pour le vent, Villa Nova de Milfontes, apparemment il y a un joli camping là, enfin il y a deux campings et d'après ce que
il y a un qui est très bien, l'autre qui est beaucoup moins bien. Et la gauche des Saint-André, vous voyez ça, eh bien, c'est là où date l'autre vidéo, quand j'étais à la mer, c'est là où il avait la séparation avec Ambre. Voilà, c'est là. Là, il y a Sinès. Et on a longé, tac, 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 tac. Jusque-là. Voilà. Je vous laisse écouter les vagues et admirer la vue. Et le vent, par la même occasion. Chouette. Un peu de soleil. Tout à l'heure, il avait du soleil. Voilà, en le parking. Là, c'est l'accès, c'est le petit chemin en bois, super joli. Et là, il y a la descente vers la plage. Vous voyez la plage là? Super chouette. Et je vois que à plusieurs intervalles, ils ont mis des petites plateformes et des bancs pour se reposer. Parce que je pense remonter là, ça doit être assez fatigant. Bon, quoique. On a passé la journée à te prélasser à la plage. Se reposer pour pouvoir remonter quand même, non? Ouais, mais d'un autre côté, chargé avec tout le barda, les serviettes, les draps, les scies, les parasols, les jouets pour les gamins, je sais pas trop quoi encore, tout ce qu'on peut amener à la plage. Ben moi, en règle générale, je vais avec mon chien et un drap, et ça suffit largement. Je sais pas si j'aurai le courage de descendre là. Je sais pas. Encore descendre, ça va encore. C'est surtout pour remonter que j'aurai peut-être un peu du mal. Ouais, je vais peut-être changer de place. Ils ont prévu la pluie. Et pour demain, et je suis quand même très 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 exposé là. Je crois que ici, ce côté là, je serai un peu moins exposé parce que moi je suis vraiment vraiment au bout, au bord du précipice. Et si vraiment il y a beaucoup de vent, je suis plein exposé en plus. Hein. Regardez comme c'est beau la bruyère. Bruyère d'hiver, je dirais mauve. Il y en a plein, 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 plein partout. Si le chien descend là. Voilà la petite plage. Et ici commence la descente. Vous voyez, tout à l'heure on était en face là, là sur la petite plateforme. Là, voilà. Et ça se trouve que en bas, dans la petite baie sur la plage, on est complètement à l'abri du vent parce qu'on est protégé. Par contre, là, là, il y a un grand trou. Ah là, j'aimerais avoir un drone. Survoler tout ça, ça sera chouette. Ah, mais ils sont en bas là. Il y a des gens avec un fourgon qui viennent d'arriver avec trois gros chiens. Vous le voyez là en bas, messieurs. C'est génial, les chiens, ils adorent marcher sur le sable. C'est très doux sur les pattes, sous les pattes. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Il a descendu. Il fait courir ses chiens sur la plage. Ben nous, avec Domino, on verra plus tard. Hein. Domino, t'avances pas trop parce que si tu descends là, je peux pas te récupérer. Hein.
Bon, un dernier coup d'œil, c'est qu'en fait, je veux changer de place. Je vais aller l'autre côté, là, en face. Là, on le voit là. Attends, là, tout le long, là, hop. Il y a la place pour se garer. Et je serai un peu moins exposé comme ils ont prévu pour demain, un peu plus de vent et la pluie. Bon, j'aurai plus la super magnifique belle vue comme je l'ai ici. Mais c'est pas grave, j'ai des cendres de Foxy, je fais 50 mètres et j'ai exactement la même vue. Donc je me sens un peu mieux, un peu plus en sécurité, parce qu'ici c'est vrai, je suis vachement exposée, hein. Allez, je veux changer de place. À tout de suite. Allez, on va y aller doucement. Voilà l'autre monsieur qui est toujours là. Les gros trous. Attends une seconde. J'ai encore oublié un truc, bien évidemment. Le tiroir des couverts. Comme d'habitude. Ah, Crissa, Crissa. Ça changera jamais. Bon, vous allez dire encore la route, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Même pas 5 minutes. C'est juste pour changer de place. Un de ces jours, avant de repartir d'ici, je devrais vraiment m'occuper de toutes mes vitres, fenêtres et tout ça avec la pluie. Un peu d'air salé, c'est pas le top. Doucement, Foxy, doucement. La route qui se barre, on va y aller doucement. On est passé hier, pourquoi on passera pas aujourd'hui? Ça passe juste, mais ça passe. Voilà, ici à droite, c'est le chemin pour accéder à la maison qui est en bas, là, en contrebas, qu'on avait vu, qui est fermé. Qui finalement, non, n'est pas un resto, c'est juste une maison. Ça vibre, oui, ça vibre, je suis désolée. C'est la magnifique, merveilleuse chaussée qui est comme ça. Allez, on passe par où pour éviter les trous? Allez, on passe par là.
costume. Dans 200 mètres, tournez à droite. J'imite le GPS. Dans 150 mètres, tournez à droite. Maintenant, tournez à droite. Je peux aussi faire la voix d'homme. Maintenant, tournez à droite. Wow. Allez, on tourne. Arrivé et j'arrête mes conneries, mon blabla complètement superflu, inutile, c'est juste pour meubler, vous l'avez bien compris. Je vais mettre un peu en biais, c'est pas con. Alors, comment je suis là? Là, c'est pas mal. Ça penche. Ça me plaît pas. Mais bon, pas trop le choix non plus. Hein. Allez. On va essayer un peu mieux. Allez hop, parfait comme ça. On ferme la fenêtre. Hop. Et voilà. Notre nouvel endroit pour passer. On est samedi. Oh, je pense jusqu'au lundi. On verra. Oui, il y a toujours du vent. Mais c'est enfin le retour du soleil. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore l'Atlantique, c'est trop beau. Désolé pour le vent, ça aussi. Eh oui. Alors, je suis sur la côte ouest, la côte atlantique du Portugal.
à mi-chemin entre Sines et ouais, Lagos, Sagres, on va dire à peu près quelque chose comme ça. En gros, c'est ça. Allez, gros bisous, à bientôt.